J'ai quitté mon village Tikaré sur les plateaux du Nord parce que cette année, ce n'est pas bon. La pluie n'est pas venue. Déjà l'année dernière, c'était pareil. La terre est trop sèche. La récolte est mauvaise. Il n'y a pas assez pour nourrir la famille. Il n'y a même pas de bois pour faire le feu. Ici, ça a l'air bon. Je vais aller voir le chef du village. Il va sûrement me donner de la terre. Et si ça va, je vais faire venir ma famille. Ton me hin sin pin pora rel ko tin ga pa ko le be pa ne ba na po lo po ra na ye ken dit tum ba bon ska nem pa kun si wa ka nem bon sum pa ma la ne ba ma han tar ka ko no wa tum ya hin yi bi no ko la han ki te wa sam pa no mem ba pa wa ti la wa ba ri to yi a mo shi yi ton fa ya mo shi yi mo sa me la han ki te wa ha yi bi la no ko Tu viens tout au chèque de Nebiam, tu es la rame table, la femme. Les gens sont venus en masse sur ces terres riches, maintenant libérées de l'oncocercose. Les premiers migrants ont réussi leur installation, engendrant un important flux migratoire des plateaux du Nord vers les vallées des Voltas. Notamment dans la zone de Farapura. À Nemlai, par exemple, nouveau village de migrants Mossi, tous les agriculteurs sont forgerons. Cette connaissance du travail du fer a favorisé une bonne vulgarisation de la culture attelée, organisée par l'autorité de l'aménagement des vallées des Voltas, l'AVV. Cette même AVV dispose sur le terrain d'un réseau d'agents d'encadrement et de vulgarisation qui accompagne les paysans dans l'assimilation de nouvelles techniques. Chicano. Ah,
L'accueil traditionnel africain, l'apparente réussite des premières installations, c'est bien. Mais cela peut engendrer de graves déséquilibres. Bien sûr, le Nord est à la fois surpeuplé et agronomiquement dégradé. Mais cet afflux incontrôlé risque fort de compromettre la fertilité du Sud. Déjà, d'immenses espaces ont été défrichés de manière abusive. La pratique de la jachère tend à disparaître sous la nouvelle pression démographique. Depuis peu, les paysans constatent une baisse de rendement dans leurs champs et localement des phénomènes d'érosion. De plus, la pratique des feux de brousse, la coupe abusive du bois et la divagation des animaux, habitudes profondément ancrées chez les autochtones, ne s'accommodent plus de la nouvelle situation. Les solutions agronomiques telles que la culture attelée, la gestion des fumures et le maintien du couvert arboré peuvent certes enrayer dans le court terme cette dégradation. Mais elles s'avéreront insuffisantes si l'immigration continue. La terre est déjà rare et son accès n'est sérieusement limité par aucune autorité foncière, qu'elle soit traditionnelle ou administrative. L'élaboration d'une stratégie de gestion de l'espace par une structure reconnue par tous permettrait l'instauration d'un équilibre agro-silvo-pastoral, autorisant éventuellement l'installation de futurs migrants. L'introduction de toutes ces innovations risque de bouleverser le tissu social, les traditions culturelles et les mentalités. La non-prise en compte de ces logiques paysannes, rendues complexes par le caractère pluri-ethnique de la population, engendre le refus ou le détournement des réformes parachutées. Je suis un délégué.
Seule la connaissance et la considération du système existant peut conduire à faire du paysan l'acteur et non pas le spectateur de son propre développement.